Alors, il s'agit de quatre jeux pédagogiques en bois fabriqués dans les Vosges, sous forme de plateaux et de jetons pour apprendre à jardiner. Donc, c'est des outils pédagogiques à destination de l'éducation à l'environnement, associations, écoles, institutions, pour mettre en place des ateliers et que les participants découvrent le jardinage, l'activité du jardin, la biodiversité dans le jardin, etc., les connexions entre le vivant et le milieu du potager. J'ai fait des études à l'école d'art de Nancy en option design et j'ai intervenu au sein de ce cursus scolaire dans une école primaire où j'ai instauré un jardin. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que les enfants, comme les instituteurs, ne savaient pas en fait jardiner, ne savaient pas comment gérer cet environnement. Donc, je me suis dit que des supports pédagogiques, ça pouvait être un des super outils. En tant que designer, donc j'ai conçu ces objets. C'est vraiment d'un déclic, d'un constat que l'éducation était très intéressée par le jardin, mais savait pas comment transmettre le potager, les connaissances du jardin. Oui, tout à fait. Et le but, c'est vraiment de sortir des études avec l'ambition de créer mon propre emploi dans lequel je m'épanouis. Concevoir, imaginer, c'est vraiment ma passion et j'ai vraiment envie de faire un métier de passion.